Nous sommes encore à l'époque du Minitel et des cassettes vidéo. Quand les Chevaliers du Zodiaque arrivent en France en avril 1988 dans le Club Dorothée sur TF1, personne ne se doute que la série va acquérir au fil du temps et à ce point le statut de manga culte chez nous. En exclusivité pour le Club Dorothée, le numéro 1 au Japon actuellement, il s'agit des Chevaliers du Zodiaque. Et oui, le Club Dorothée vous présente cette nouvelle série rien que pour vous. Vous êtes contents? Les audiences s'envolent et atteignent des sommets. Les produits dérivés ont déjà commencé à arriver chez nous, mais pas encore le manga. Au début des années 90, conscient du succès important des Chevaliers du Zodiaque, le Club Dorothée organise à titre exceptionnel un rendez-vous spécial consacré à la saga. Les garçons, alias Jackie, Patrick et Corbier, présentent même les produits dérivés disponibles à l'époque. Il y en a 12, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis il y a les Chevaliers de Bronze, regarde, ils sont là. Encore mieux, la regrettée Madame Soleil, l'irremplaçable et attachante mamie astrologue du Club Dorothée, présente les caractéristiques zodiacales de chaque chevalier. Un must. Et vous défendez souvent les plus faibles, ça, il faut le dire. Mais si jamais on vous attaque, alors là, gare au Orion. À l'époque, le célèbre générique japonais Pegasus Fantasy, avec ses sonorités électriques, demeure inconnu pour le large public. Et seule la version de Bernard Minet, composée par Jean-François Pori et Gérard Salès, est mise en avant. Cette journée événement est dans un premier temps marquée par la venue des trois principaux comédiens doubleurs des Chevaliers du Zodiaque. Ariane, présente-nous tes invités, s'il te plaît. Eh bien, c'est Virginie Le Dieu, qui est la princesse Athéna. Bonjour. C'est Serge Bourrier, qui est le grand pop. Et c'est Éric Le Grand, qui est Seyard lui-même en personne. Dis-moi, Saori, réponds-moi. Est-ce que tu es prête à me suivre partout, quel qu'en soit le prix? Oui, Seyard, j'ai confiance en toi. Est-ce que c'est semblable la version japonaise et la version française? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. En quoi? En ce que les voix japonaises, même quand ce sont sur des jeunes enfants, comme c'est hier, tu sais qu'il y a 13 ans, sont des voix très graves et comme ils jouent. Bacana! On a une amie qui fait du doublage aussi, qui double Son Goku en particulier dans Dragon Ball. Et elle a été invitée à Tokyo, au Japon, oui. À propos de Dragon Ball justement. Oui. Et elle a vu là-bas à Tokyo comment ça se passe les doublages en japonais. Oui, là, comment ça se passe là-bas? De la même manière techniquement à peu près que chez nous, mais eux ils ont une manière de jouer qui est très codifiée, très symbolique. Ils jouent même les dessins animés comme ils jouent le théâtre kabuki en fait, d'une façon qui est très excessive, très comme ça. Et si on faisait la même chose, on serait ridicule. On serait mort de rire. Voilà. Nanda to choshi noru janai ze. Mazu koitsu ni todome o sashite yaru. Jamia. Mais surtout, c'est que depuis... Ce qui apparaît incroyable et inespéré pour les fans des Chevaliers du Zodiaque, c'est la liaison téléphonique que Dorothée établit avec le mangaka Masami Kurumada. Près de Tokyo, au Japon, nous avons en exclusivité une liaison. À l'époque, nous ne connaissons que les 114 premiers épisodes des Chevaliers du Zodiaque et les 4 unitaires produits par Toei. Tout le monde attend une suite. Écoutez plutôt. Allô, monsieur Kurumada, je suis très touchée et très émue de vous avoir en direct au téléphone. Bonjour. Konnichiwa. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir participer au show Dorothée qui a un si grand succès en France. Merci, monsieur Kurumada, c'est très gentil. Vous savez que vous avez énormément de fans ici en France et même en Europe, à propos des Chevaliers du Zodiaque, bien sûr. Et tous mes copains me demandent quand la suite des Chevaliers du Zodiaque. Alors, s'il vous plaît, nous avons reçu plus de 300 000 lettres vous demandant la suite des Chevaliers du Zodiaque. Monsieur Kurumada, répondez-nous, à quand? Moi aussi, je suis très émue de l'entendre. Quel épisode êtes-vous à Paris? Eh bien, actuellement, nous avons diffusé le 114e épisode, donc on a fait toute la boucle jusqu'à l'histoire de Poséidon. Au Japon, il n'y a pas d'autres épisodes en dehors de ce que vous avez diffusé en France. Ah bon?
Mais nous sommes en train de travailler sur la suite, un bande dessinée. Nous en sommes à la dernière étape. Mais alors dites-moi, monsieur Kuramada, si l'histoire, la suite existe en bande dessinée, on peut peut-être espérer la voir en dessin animé bientôt, non? Tout dépend des studios d'animation. Mais ce n'est pas un rêve. Mais il y aura la suite. J'espère comme vous que ça sera bientôt. Ouais, écoutez, monsieur Kuramada, je vais appeler mes amis de la Toy et à tous les coups, ça va marcher. En tout cas, j'espère. L'initiative de Dorothée a dû fonctionner car une quinzaine d'années plus tard, la Toei adapte enfin la suite. Ah, mais Dorothée désire reprendre l'antenne, je crois que c'est très important. Dites-moi... je crois que vous avez une petite surprise, vous me l'avez dit tout à l'heure au téléphone, c'est ça? Je vous envoie tout de suite un dessin de Seiya avec mes signatures. Oh, c'est gentil comme tout. Bien. Merci. Et alors, donc, encore une fois, bon courage. À très bientôt, j'espère, soit au Japon, soit en France. On essaie de se voir. Merci beaucoup. Sayonara. Sayonara. Ah de même. Merci beaucoup. Domagadazumasa, sayonara. Sayonara, ça y est. Je suis tout émue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, les fins c'est sont passées. C'est déjà. Attends, j'essaie de ne pas l'abîmer. C'est extraordinaire. J'espère que vous avez vécu un moment aussi intense que nous, parce que vraiment, depuis le Japon, c'était assez incroyable. Les derniers dessins de Seiya. De Seiya. Apparemment, en voilà un. Voilà l'autre. Je vais essayer de le mettre droit. Voilà. C'est un scoop, comme l'on dit dans le journal. Et la signature qui est là. Et alors, Masami Kuramada m'a dit au téléphone qu'en fin de compte, il était très, très, très touché d'avoir fait cette interview avec nous en direct. Et en plus, qu'il était très content d'avoir écouté la chanson française, parce que c'est pas du tout la même qu'au Japon. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, je suis toute émue. On va remercier notre traductrice. Oui. Emiko Rossi, qui est restée quand même avec nous tout l'après-midi. C'est gentil. Et on se retrouve demain. D'accord. D'accord. Sayonara. Sayonara, à demain. À demain. Et encore merci à tout le monde. Nous sommes encore à l'époque du Minitel et des cassettes vidéo. Quand les Chevaliers du Zodiaque arrivent en France en avril 1988 dans le Club Dorothée sur TF1, personne ne se doute que la série va acquérir au fil du temps et à ce point le statut de manga culte chez nous. En exclusivité pour le Club Dorothée, le numéro 1 au Japon actuellement, il s'agit des Chevaliers du Zodiaque. Et oui, le Club Dorothée vous présente cette nouvelle série rien que pour vous. Vous êtes contents? Les audiences s'envolent et atteignent des sommets. Les produits dérivés ont déjà commencé à arriver chez nous, mais pas encore le manga. Au début des années 90, conscient du succès important des Chevaliers du Zodiaque, le Club Dorothée organise, à titre exceptionnel, un rendez-vous spécial consacré à la saga.
Les garçons, alias Jackie, Patrick et Corbier, présentent même les produits dérivés disponibles à l'époque. Il y en a 12, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis il y a les chevaliers de bronze, regarde, ils sont là. Encore mieux, la regrettée Madame Soleil, l'irremplaçable et attachante mamie astrologue du Club Dorothée, présente les caractéristiques zodiacales de chaque chevalier. Un must. Et vous défendez souvent les plus faibles, ça, il faut le dire. Mais si jamais on vous attaque, alors là, gare au Orion. À l'époque, le célèbre générique japonais Pegasus Fantasy, avec ses sonorités électriques, demeure inconnu pour le large public. Et seule la version de Bernard Minet, composée par Jean-François Porry et Gérard Salès, est mise en avant. Cette journée événement est dans un premier temps marquée par la venue des trois principaux comédiens doubleurs des chevaliers du Zodiac. Ariane, présente-nous tes invités, s'il te plaît. Eh bien, c'est Virginie le Dieu, qui est la princesse Athéna. Bonjour. C'est Serge Bourrier, qui est le grand pop. Et c'est Éric le Grand, qui est Seyard lui-même en personne. Dis-moi, Saori, réponds-moi. Est-ce que tu es prête à me suivre partout, quel qu'en soit le prix? Oui, Seyard, j'ai confiance en toi. Est-ce que c'est semblable la version japonaise et la version française? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. En quoi? En ce que les voix japonaises, même quand ce sont sur des jeunes enfants, comme c'est hier, tu sais qu'il y a 13 ans, sont des voix très graves et comme ils jouent. Bakana! On a une amie qui fait du doublage aussi, qui double Son Goku en particulier dans Dragon Ball. Et elle a été invitée à Tokyo, au Japon, oui. À propos de Dragon Ball justement. Oui. Et elle a vu là-bas à Tokyo comment ça se passe les doublages en japonais. Oui, là, comment ça se passe là-bas? De la même manière techniquement à peu près que chez nous, mais eux ils ont une manière de jouer qui est très codifiée, très symbolique. Ils jouent même les dessins animés comme ils jouent le théâtre kabuki en fait, d'une façon qui est très excessive, très comme ça. Et si on faisait la même chose, ça serait ridicule. On serait bordé. Voilà. Nanda to choshi noru janai ze. Mazu koitsu ni todomi o sashite yaru. Jamia. Mais surtout, c'est que depuis ce qui apparaît incroyable et inespéré pour les fans des Chevaliers du Zodiac, c'est la liaison téléphonique que Dorothée établit avec le mangaka Masami Kurumada. Près de Tokyo, au Japon, nous avons en exclusivité une liaison. À l'époque, nous ne connaissons que les 114 premiers épisodes des Chevaliers du Zodiac et les 4 unitaires produits par Toei. Tout le monde attend une suite. Écoutez plutôt. Allô, monsieur Kurumada, je suis très touchée et très émue de vous avoir en direct au téléphone. Bonjour. Konnichiwa. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir participer au show Dorothée qui a un si grand succès en France. Merci, monsieur Kurumada, c'est très gentil. Vous savez que vous avez énormément de fans ici en France et même en Europe, à propos des Chevaliers du Zodiac, bien sûr. Et tous mes copains me demandent quand la suite des Chevaliers du Zodiac. Alors, s'il vous plaît, nous avons reçu plus de 300 000 lettres vous demandant la suite des Chevaliers du Zodiac. Monsieur Kurumada, répondez-nous, à quand? Moi aussi, je suis très émue de l'entendre. Quel épisode êtes-vous à Paris? Eh bien, actuellement, nous avons diffusé le 114e épisode, donc on a fait toute la boucle jusqu'à l'histoire de Poséidon. Au Japon, il n'y a pas d'autres épisodes en dehors de ce que vous avez diffusé en France. Ah bon? Mais nous sommes en train de travailler sur la suite, un bande dessinée. Nous en sommes à la dernière étape. Mais alors dites-moi, monsieur Kurumada, si l'histoire, la suite existe en bande dessinée, on peut peut-être espérer la voir en dessin animé bientôt, non? Tout dépend des studios d'animation. Mais ce n'est pas un rêve. Mais il y aura la suite. J'espère comme vous que ça sera bientôt. Ouais, écoutez, monsieur Kurumada, je vais appeler mes amis de la Toy et à tous les coups, ça va marcher. En tout cas, j'espère. L'initiative de Dorothée a dû fonctionner car une quinzaine d'années plus tard, la Toei adapte enfin la suite. Ah,
mais Dorothée désire reprendre l'antenne. Je crois que c'est très important. Dites-moi, je crois que vous avez une petite surprise. Vous me l'avez dit tout à l'heure au téléphone, c'est ça? Je vous envoie tout de suite un dessin de Seiya avec mes signatures. Oh, c'est gentil comme tout. Bien. Merci. Et alors, donc, encore une fois, bon courage. À très bientôt, j'espère, soit au Japon, soit en France. On essaie de se voir. Merci beaucoup. Sayonara. Sayonara. Ah, de même. Merci beaucoup. Sayonara. Sayonara, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, les fans, c'est arrivé déjà. Attends, j'essaie de ne pas l'abîmer. C'est extraordinaire. J'espère que vous avez vécu un moment aussi intense que nous, parce que vraiment, depuis le Japon, c'était assez incroyable. Les derniers dessins de Seiya. De Seiya. Apparemment, en voilà un. Voilà l'autre. Je vais essayer de le mettre droit. Voilà. C'est un scoop, comme l'on dit dans le journal. Et la signature qui est là. Et alors, Masami Kurumada m'a dit au téléphone qu'en fin de compte, il était très 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 touché d'avoir fait cette interview avec nous en direct. Et en plus, qu'il était très content d'avoir écouté la chanson française.